Hey, youyou mes chatons, bon dimanche à vous. Dimanche 11 août, il est exactement 10h pétante. Je suis levée à 9h et là, je suis sortie de la douche, me suis crémée. Voilà, j'ai remis un vêtement qui est sec depuis cette nuit. J'ai refait une deuxième lessive hier soir, voilà, j'ai détendu la première. Et j'en ai fait une deuxième et on se sert sur l'étendard. L'étendoir, comme ça, ça m'évite de replier tout ça. Allez, on ouvre le vlog numéro 274. On y va, on va se balader tout le long du port de Saint-Nazaire. C'est parti, il fait super beau. Et il prévoit du soleil et de la chaleur, ici, aux alentours de Saint-Nazaire, jusqu'à fin août au moins. Donc, pour ceux qui viennent la semaine prochaine et les semaines à venir, n'ayez pas peur, il va faire beau. Allez, c'est parti, on va se balader. Voilà au bout du port de Saint-Nazaire. Hop. Thank you.
tu l'as qui sort du port. C'est un bateau de... Un bateau qui fait quoi ? C'est pas un bateau de pêche, ça ? Ça sent le pétrole. Hein. Pouf. Ça sent la pollution, les gars. Mais c'est beau à voir. Ah, ça sent la pollution. On va passer entre les deux phares. Voilà, le pont écluse de Saint-Nazaire. Ça s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Après, il y a une barrière pour éviter que les passagers traversent en vélo ou à pied. Ça s'ouvre, le bateau passe et ensuite, ainsi de suite. C'est de là vient le gros bateau que je viens de vous le filmer. Attends, on va faire le tour de la plage, je vais faire mieux. Si ça continue, on arrive plus de ma gueule. Autre pont-levis, pont Entre-Est, pont tournant de Saint-Nazaire. Et là, en ce moment, à la base sous-marine, et ils sont en train de construire un paquebot. Ça doit être impressionnant. Et ça se visite, il nous dit. Voilà le paquebot en construction. Ça doit être extra à visiter. On est au port de pêche et voilà un bateau de pêche. Voilà. Courageux pêcheurs qui nous ramènent du poisson frais, crustacés, et qui ne sont pas assez payés, je trouve. Voilà. Nous sommes dans la base sous-marine.
pourrait qu'on fasse un peu quand même un moment de projectoire. Il faut qu'il y ait au moins un peu. Choco-noisette. Nous sortons de la crêperie, c'était trop bon mes chatons. On a pris un bolet de cidre et après on a repris une petite carafe de cidre. Et bien c'était trop bon. Puis alors on a pris donc deux galettes emmental jambon et deux galettes choco-noisette. Voilà mes chatons. Et là on se repose sur un banc à l'ombre parce qu'il fait hyper chaud. Je pense comme beaucoup de départements. Voilà la vue. Nous sommes au Jardin des Plantes de Saint-Nazaire, il est exactement 13h30. Un petit peu d'ombre et de fraîcheur, ou presque. Il fait une canicule, c'est une horreur. Enfin, on va pas se plaindre. J'adore cet arbre. Pidou va me dire ce que c'est. C'est superbe. C'est un arbre à soie, soie comme la soie, S-O-I-E. C'est superbe. Il y en a dans 30% des maisons. C'est magnifique. Faisons une petite pause à l'ombre parce qu'il fait bien 34 à l'ombre. C'est l'horreur. Mais dans cette verdure, c'est superbe. Un pet de nuages dans le ciel, regardez. Eh bien, mes chatons, nous sommes dans un état, il est 15h et on n'en peut plus. Il fait trop chaud. Heureusement, il y a beaucoup de vent et on a marché à l'ombre. On a mis un peu les pieds dans la mer, voilà. Mais on est vite remonté, il fait trop chaud au soleil. Et donc à 15h, là, on va se rafraîchir. On a bu pratiquement une bouteille d'eau d'un litre et demi à tous les deux. Et on va se déshabiller et puis tranquillement prendre un bain, etc. Voilà. Se reposer un petit peu. On a fait tout le long de la côte du port de Saint-Nazaire. Ça fait pas mal, hein, je crois. Ça fait combien de kilomètres aller-retour, papa Kidou? 5 au moins. Oh, largement 5 kilomètres à pied. Aller-retour, hein, quand même. Hein. Oui, il ne faut pas exagérer. Mémé dans les orties. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On va se rafraîchir. Kidou est déjà dans le bain. Il fait couler le bain.
À tout à l'heure. Les chatons, je vais clôturer le vlog là. Nous sortons du bain. Voilà mes chatons. Et nous allons manger. Je vais clôturer ce vlog parce que je vais monter celui-ci. J'espère qu'il vous plaira malgré tout. Petit dimanche tranquille, aller-retour et crêperie. Et c'était bien sympathique. Voilà, je me suis crémée parce que je pèle. Je vous dis à demain. Demain, nous serons le lundi 12 août, si ma mémoire est bonne. Oh, deuxième semaine qui s'entame. Ça va trop vite. Voilà, le 12 août. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre fin de journée, de votre fin de dimanche. J'espère en famille et au soleil. Je vous embrasse fort. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout et de cliquer sur s'abonner et la petite cloche du haut pour me faire encore plus plaisir. Bisous mes chatons. Prenez soin de vous. Et puis, à demain, si vous le voulez bien.